Salon One to One, on va parler d'assurance embarquée avec Maximilien Dauzet. Bonjour, vous êtes CEO de NIT, c'est ce qu'on appelle aussi l'assurance affinitaire. Donc c'est une assurance qui est directement intégrée au parcours d'achat des clients, aussi bien pour le e-commerce que pour les magasins physiques. Vous proposez une solution en marque blanche pour les commerçants. Quel est l'avantage pour les retailers? Bien, pour les retailers et les e-commerçants, c'est une solution qui permet d'apporter des services complémentaires de gestion pour les distributeurs, qui permet d'augmenter les marges, de générer de nouveaux revenus, redonner des coûts d'acquisition client. On peut apporter le service avec des marges supplémentaires, fidéliser les clients, puisque les clients, en cas de sinistre, sont indemnisés en bon achat pour reconsommer chez le distributeur. Donc le consommateur, il va pouvoir, en quelques clics, prendre cette assurance avant de terminer sa commande. Tout à fait. On dit chez NIT que c'est un produit qui doit être aussi simple à acheter qu'à consommer. Et donc d'un simple clic dans les parcours d'achat, on va ajouter cette assurance et la consommer chez le distributeur. Et c'est d'un simple clic qu'on pourra également être indemnisé. Une grande partie de votre solution est automatisée. Vous, comment est-ce que vous vous rémunérez? Eh bien, nous sommes courtiers d'assurance. Nous sommes uniquement rémunérés en cas de vente. Il n'y a chez NIT aucun abonnement, aucun setup. Nous sommes uniquement rémunérés sur les ventes. C'est pour ça que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et nous essayons d'accompagner les distributeurs pour augmenter les taux de conversion. La start-up propose aussi une garantie à vie pour tous les produits du foyer. Combien ça coûte cette solution? Et c'est une solution très innovante qui montre le savoir-faire et l'innovation de la maison NIT. Puisqu'on a réussi à créer pour seulement 15 euros par mois une garantie qui couvre tous les équipements du foyer, toute la famille, et tout ça à vie. Si votre frigo tombe en panne 10 ans, eh bien nous le réparer, si nous ne pouvons pas le remplacer, nous vous en donnons un neuf sans la moindre intervention de l'assurance. Avec un engagement donc de réparation. Alors vous n'êtes pas la seule start-up à vous positionner sur l'assurance embarquée, il y a également la start-up française Evy. Qu'est-ce qui vous différencie de cette autre start-up? Eh bien, ce qui nous différencie, c'est, je pense, d'abord un peu l'expertise. Ça fait 15 ans que l'équipe fait ce métier. Deuxièmement, nous partons toujours de produits que nous créons nous-mêmes. Nous ne prenons pas les produits qu'il y a sur le marché des assureurs. Nous créons nous-mêmes 100% des produits. Et également, nous sommes sur plusieurs tailles d'entreprises. Nous acceptons les petits clients comme les grands clients avec de nombreuses typologies de produits et de verticaux. Merci beaucoup, Maximilien Dauzet. Je rappelle que vous êtes CEO de NIT. Voici donc pour ce marché de l'assurance embarquée qui devrait représenté 28 milliards de dollars d'ici 2029. Comment aider les marques à réinventer la relation client? Vous proposez un programme d'engagement digital qui est basé sur les NFT. Séraphine de Tracy, bonjour. Je suis un peu plus de temps.
Une centaine de clients dans son portefeuille d'ici 18 mois. Merci beaucoup, Séraphie de Tracy. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Cohorte. C'est la fin de cette émission. Voici donc les défis des retailers en 2023. Le défi de l'inflation, la nécessité de l'omnicanalité, de fidéliser, savoir s'adapter aux nouveaux usages de consommation et l'essor des marketplaces. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine dans le studio de BFM Business. Je vous dis à très vite. Focus Retail. I'm going to the house. C'est moi, je suis pas venu me battre.
nous voulons avancer sur ce droit. Et ça marche. Ça marche. Et il y a des loyers fabuleux. Eu vou valer a comida.